déjà 5 saisons qu'Hélène Segarra est membre du jury de La France a un incroyable talent. Si elle adore Marianne James et Eric Antoine, elle apprécie beaucoup moins Sugar Sammy. Hélène Segarra revient à la télé. Le 22 octobre prochain, la chanteuse de 48 ans reprendra son fauteuil de juré dans La France a un incroyable talent. Et pour cette 14e saison, on prend les mêmes et on recommence. L'interprète du tube Il y a trop de gens qui t'aiment fera équipe avec Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy. Mais l'humoriste canadien, qui a fait son arrivée dans le programme de M6 lors de la précédente édition, n'est pas vraiment au goût de l'ancienne star de Notre-Dame de Paris. Hélène Segarra tacle Sugar Sammy interrogé au sujet de ses relations avec ses camarades du jury de La France a un incroyable talent. Hélène Segarra n'a pas mâché ses mots pour évoquer Sugar Sammy. Et pourtant, la protégée d'Orlando est plutôt soudée avec les autres célébrités de l'émission. Je suis très proche de Marianne James. Nous sommes comme deux louves de la même famille, deux mamans hypersensibles. Eric Antoine, c'est mon complice. Il est vanneur, mais lui aussi très sensible, a-t-elle confié à Téléstar. Mais concernant l'artiste québécois, c'est une autre histoire. Je connais moins Sugar Sammy, a-t-elle avoué. Il faut l'apprivoiser. Il peut me faire hurler de rire mais il va parfois trop loin. Il y a certaines choses que je ne cautionne pas, il faut dire que l'année dernière, Sugar Sammy avait fait une mauvaise blague au sujet de l'affaire Gilbert Rozon. Dans les auditions, il avait ainsi demandé à un candidat en slip, « C'est toi Gilbert ?» Un clin d'œil très maladroit à l'ancien juré, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes.